Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose 45 templates, exactement 43 templates déjà prêts, plus deux templates où il y a des images que vous pouvez vous servir aussi dans ces templates. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup plus facile de commencer sur un modèle que l'on a déjà. On perd moins de temps, ça donne des idées. Et puis, en ayant 45 modèles, ça permet de vraiment choisir le template qui va aller pour ce que l'on cherche. Alors, il faut savoir aussi que dans ces templates, bien entendu, comme ce sont des templates PowerPoint, vous allez pouvoir changer les textes, hein, que ce soit les titres, les sous-titres, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir changer la police de caractère, les couleurs, enfin choisir vraiment ce que vous voulez mettre dans votre template qui ne ressemblera du coup plus du tout à ce que je vous propose puisque vous aurez modifié. Ce sera pareil pour les images, que ce soit les images de fond, les portraits, les icônes, etc. Vous pouvez les modifier, les changer, les redimensionner, les améliorer, donner des effets, etc. etc. C'est vrai que c'est bien pratique quand on a déjà un modèle. Ensuite, tous ces templates servent surtout pour les infographies parce que c'est souvent cela qui pêche un peu. On ne sait pas trop comment présenter son projet et on met trop de texte sur les diapositives et c'est très 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 moche quand c'est comme ça. Du coup, là, vous allez avoir des infographies différentes sur chaque template et ainsi vous pourrez vous en servir individuellement ou alors vous pouvez utiliser plusieurs diapositives dans un même template pour vous. Vous faites le mix, vous faites ce que vous voulez. Certains éléments sont déjà animés. Je vous ai fait deux ou trois slides animés pour que vous voyez ce que cela peut donner. Mais vous pouvez tous les animer puisque les éléments qui peuvent être groupés peuvent être dégroupés et animés individuellement ou en groupe si vous voulez que ce soit animé en groupe. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des éléments facilement en suivant ces recommandations. Ne travaillez jamais sur l'original que vous aurez téléchargé. Il faut absolument que vous fassiez une copie et que vous la renommiez cette copie pour être sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, si vous souhaitez n'utiliser qu'un seul template ou deux ou trois sur l'ensemble des 45, il n'y a aucun problème, mais pour les coller dans votre nouveau template, vous devez faire un copier en faisant CTRL-C, copier donc, et coller en faisant CTRL-V, coller. Voilà. Sinon, vous risquez d'avoir une simple image au lieu de tous les détails que vous avez dans chaque slide d'infographie. Ainsi, vous allez pouvoir réaliser des templates à votre goût en utilisant n'importe lequel des templates. Et même si vous avez Copilot, vous ferez aider avec Copilot. Ensuite, bien entendu, vous pouvez ajouter de la musique, ajouter un audio, la narration, les bruitages. Vous pouvez aussi enlever une image, mettre une vidéo à la place. Vous pouvez aller vraiment très très loin dans la personnalisation. Alors surtout, ne vous gênez pas, personnalisez au max. Bien entendu, vous pouvez aussi faire une présentation qui vous sera tout à fait personnelle en prenant simplement quelques éléments dans chaque diapositive que vous allez trouver dans ce template. Inspirez-vous des vidéos de la chaîne pour trouver des informations et des conseils pour votre création, vos animations, etc. Et surtout, si vous avez besoin de conseils particuliers, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Pour accéder à la présentation de 45 templates, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.